le ministère avec elle. Josué a dit, moi et ma maison nous servirons. Amen. Donc, apprenons aussi nos enfants à suivre ou à connaître notre Dieu. Amen. Chez les Juifs, vous ne pouvez pas passer, c'est-à-dire, comment? Vous ne pouvez pas passer outre, c'est-à-dire que si tes pères sont passés à droite, tu es obligé de passer par là. La preuve est que ceux qui sont nés ici, les Juifs qui sont nés ici, à un certain moment, ils renvoient leurs enfants au pays pour aller apprendre l'air de Dieu, connaître l'air de Dieu. Amen. Et nous, la Bible dit, dans Proverbes, on dit, instruis ton enfant dès le bas âge. Montre-lui les chemins à suivre. Montre-lui les dieux à adorer. Tu vois. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Tu vois, l'erreur que nous commettons, nous, pasteurs, c'est-à-dire, c'est moi qui est pasteur, pas mes enfants. Amen. Et ça, c'est une. C'est un bouclier en même temps de protection que un jour, tu ne pourras pas contrôler l'enfant, mais le Dieu, la sémence que tu as mis au-dedans d'elle, va lui interpeller, va lui dire que non, toi, tu es un enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Tu ne peux pas aller dans le droit de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu dois suivre le chemin de la Bible. Amen. C'est pourquoi j'encourage tous les hommes de Dieu. J'ai vu tout à l'heure votre fils en train de servir, je dis, non, c'est ça en fait. Ne suivez pas ceux qui disent que non, les fils de famille. Non, mais la Bible dit que moi et ma maison. Pourquoi vous voulez qu'on vous suive, vous? Dieu dit dans la parole, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, moi, je dois apprendre à mes enfants, ils doivent connaître mon Dieu, pas les dieux de mon pays, pas les dieux du quartier, mais les dieux, eux, ils doivent nous suivre. Un père, un papa, par la définition, c'est une référence, c'est une source. C'est-à-dire que les enfants doivent copier leur papa et leur maman, pas les gars du quartier. Amen. C'est pourquoi moi je suis trop strict. Chez moi, personne d'autre ne donne des ordres à part moi-même. Après moi, viens ma femme. C'est-à-dire que tu sois mon grand frère, tu viens, tu t'élimines d'abord chez moi. Eux doivent suivre, commencer par moi. C'est moi leur exemple. Toi tu es grand frère, tu ne pries pas, tu viens donner des ordres chez moi, ça ne passe pas. Amen. Donc c'est ainsi qu'on a vu des dégâts, on a perdu, certains parents ont perdu le contrôle de leurs enfants. Parce que lui-même, il ne veut rien, il a laissé les enfants venir nous conduire. Non, non, non. Il faut révolutionner cette génération. Prenons les choses. Amen. 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 Donc je vais chanter avec elle. Viens ici à côté de moi là. Tu vas me communiquer le temps aussi. On va faire un chant à Lunala. Donc ce matin-là, on a été déjà. À Boissy, on a prêché là-bas ce matin, on a chanté, et Dieu a fait grâce pour nous qui sommes encore revenus ici. Alors, ça va, est-ce que vous êtes contents? Amen. Donc, veuillez vraiment nous excuser pour ces retards parce qu'on avait un trajet à faire, une heure de temps. Et puis, voilà, prochainement, on essaiera d'être là, je te dis, pour commencer ensemble avec vous. Thank you.
Thank you.
prions que les cieux soient ouverts dans ces lieux. Nous prions que les cieux soient ouverts dans ces lieux. Tout ce qui n'est pas de toi maintenant, fléchisse. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Au nom de Jésus, nous établissons maintenant le règne du Saint-Esprit. Nous établissons le règne du Saint-Esprit en ces lieux. Au nom glorieux et majestueux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Là, tu as perdu le roi, j'ai pris le matin pour le roi de roi. Chez moi à Kinshasa, il m'a dit, tu ne feras pas ta propre publicité. Moi, je parlerai de toi aux autres. Amen. C'est ça qui fait que je ne crains jamais, je ne dis jamais je suis en retard. Certaines personnes me disent, mais toi-même là, tu négliges la télé, passe sur la télé, fais de la pub. Je dis non. Moi, celui qui fait ma publicité est plus fort que le BFM TV. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a un mystère, il y a une dimension spirituelle de l'esprit qu'on est en train de négliger. Je m'en vais d'abord dans la Bible avec l'église primitive. La Bible dit que du jour au jour, les seigneurs augmentaient les nombres de ceux qui étaient guéris à l'église. Mais à l'époque de l'église primitive, même un petit n'était pas. Ça veut dire que sans affiche, sans parole, sans passer de les uns sur Internet, Dieu peut aller toucher quelqu'un. Parce qu'à des milliers de kilomètres, tout le monde qui a choisi le roi, il y a une église. J'ai placé là-bas un serviteur, va le chercher. Et si vous voulez voir ça, vous allez dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, chapitre 10. On nous relate l'histoire d'un certain Corneille, un homme pieux. Dieu a envoyé un ange pour voir Corneille, pour lui dire, va dans tel village. Il y a mon serviteur qui est là-bas, va le chercher, nous viendrons prier pour toi. Mais c'est le même Dieu, c'est le même esprit jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, parfois on a du mal à la Bible aux églises parce qu'on veut faire des efforts charnels, comme j'appelle ça charnel. Au lieu de prier, au lieu de chercher, même dans la prière, on peut attirer des gens. Alléluia. Tu vas voir des gens qui ne prient pas, mais qui prient. Alléluia. Non, mais je sais qu'avec vous, vous mettez Dieu à l'heure. Amen. Et moi, je
Je fais confiance à mon Dieu. Amen. Je sais qu'au moment opportun, le monde entendra parler de moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne vais pas voir un marabout pour dire qu'il faut qu'on me prêche. Si on pense, on parlera de moi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'ai un Dieu qui est plus puissant. Alléluia. C'est-à-dire que vous aussi, vous devez avoir cette façon de voir. Sinon, on va avoir des problèmes. On va parfois l'argent, au lieu de payer le loyer, tu vas payer sur le site internet. Après, on ne te connaît même pas. Les gens ne le viennent même pas. Or, si tu es en train de la prière, cette personne-là, tu payes le loyer, tu vas voir le Seigneur, tu vas toucher. Il va toucher. La Bible dit quand le Fils de l'homme sera élevé, c'est alors qu'il attirera plusieurs. Là où le Christ s'est élevé, lui-même il va attirer. Vous devez le voir sortir des nerfs des eaux sans une personne bénéfice. Troisième exemple, le roi Salomon n'est pas passé sur des vermines. Mais la Bible dit que sa renommée s'est déparée. Les gens ont entendu parler de la sagesse du roi Salomon. Ma soeur, si tu as Dieu, les gens viendront te chercher là-haut. Alléluia! Non, tu n'as pas compris. Je disais que si tu as Dieu, si tu as Jésus au roi, les gens viendront te chercher. Alléluia! Le travail viendront te chercher. Alléluia! Le mariage viendront te chercher. Alléluia! L'élévation viendront te chercher. Alléluia! Amen. C'est ce que la Bible dit. Bon, ça c'est moi, après, tu vas te parler. Si toi tu veux faire des efforts, tu veux souffrir le balai. Moi je fais confiance à mon Dieu. Amen. Alors, chers amis, ce soir-là, je vais continuer sur un enseignement que j'ai commencé sur les signes du temps de la fin. Les signes du temps de la fin. Quelqu'un va se poser encore une question, les signes du temps de la fin. Pour moi, j'attendais qu'on parle de la guérison. Oui, même au travers de cela, le Seigneur guérit. Amen. Le Seigneur guérit dans toutes sortes de messages. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de guérison seulement les jours où on va prêcher sur la guérison. Mais la guérison est là permanente tous les jours. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de quand on dit croisade de miracle. Tu crois que c'est là-bas? Non, le miracle est même là. Quand le pasteur exhorte là, je passe, il guérit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que tant qu'il y a la présence de Dieu ici, le miracle est là. Alléluia! Tant que le Christ est élevé ici, le miracle est là. Ce n'est pas nos thèmes qui changent, qui refroidit les Saint-Esprit. Non. Même quand on vous enseigne sur la crainte de Dieu, Dieu guérit le malade. Alléluia! Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alors je vais parler sur les signes du temps de la fin. Les signes du temps de la fin. Quand vous suivez en ce qui concerne les signes du temps de la fin, je vais aller un peu plus vite. En ce qui concerne les signes du temps de la fin, nous avons trois types, deux classifications des signes. Suivez-moi très bien. Nous avons deux grandes lignes, laisse-moi faire un effort quand même, si ça peut passer, pourvu qu'il y ait fluidité, que les gens comprennent ce que je veux dire. Amen. Amen. Ok. Voilà, alors je disais que j'ai réparti les signes du temps de la fin en deux colonnes ou deux classes. Première classe, les signes du temps de la fin liés à la nature. Les signes du temps de la fin liés à la nature. Et deuxième classe, les signes du temps de la fin liés à l'homme ou liés à l'âme. Je reprends. Première classe, les signes du temps de la fin liés à la nature. Et deuxième classe, les signes du temps de la fin liés à l'homme, c'est-à-dire à l'être humain. Alors, pourquoi Dieu, en ce temps de la fin, il se sert des signes? Tout simplement parce que le cœur de l'homme a atteint une dimension, un niveau d'endurcissement où ils ne veulent pas entendre la vraie doctrine. Le cœur de l'homme ne veut pas supporter la vraie évangile. Le vrai message, le cœur de l'homme ne veut pas supporter cela. C'est pourquoi Dieu, étant le meilleur pédagogue, va utiliser plusieurs méthodologies dans le but seulement de nous avertir que bientôt le Fils de l'homme revient. Est-ce que je vous fais comprendre? C'est comme un parent qui aime son enfant.
et qu'il veut donner un médicament à son fils. Et que le fils se dit que non, le médicament est amer, je ne peux pas prendre ce médicament. Ceux qui ont eu la grâce de grandir en Afrique comme nous autres, à l'époque de la nivaki de maman, que faisaient nos parents? Ils vont prendre une boule de foufou, ils vont le mettre à l'intérieur. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est une pédagogie, une méthodologie simple pour vous faire avaler le message qui a l'intérieur qui s'appelle la nivaki. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que dans certains endroits, si tu vas avec la Bible aujourd'hui, parlant de la venue du Christ, les gens vont te lapider. Dans certains environnements, quand tu veux parler de la fin du temps, les gens ne vont pas t'écouter. Alors, Dieu va passer au travers des signes. C'est-à-dire, Dieu va se choisir des signes au travers de la nature, et Dieu prendra aussi même des signes au travers de l'homme. Juste pour vous dire que non, si vous ne voulez pas écouter les pasteurs, si vous ne voulez pas écouter les évangélistes, mais au moins à travers les signes, vous allez comprendre que non, il y a un Dieu dans les ciels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà en quelque sorte l'introduction ou l'approche de mon message. Alors, je vais essayer de passer un peu plus vite sur le premier type ou la première catégorie des signes du temps de la fin. C'est-à-dire le signe du temps de la fin lié à la nature. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Suivez-moi très bien. Les signes du temps de la fin liés à la nature. Prenons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Prenons la parole de Dieu. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, verset 10. À partir du verset 10. Même vous qui me suivez depuis la maison, prenez vos Bibles, vous avez lu. Luc chapitre 21, à partir du verset 10. Je fais la lecture pour gagner le temps. La Bible dit ceci. Alors qu'il leur dit, une nation se lèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume, il y aura des grands tremblements de terre. À partir du verset 11, la Bible dit, il y aura des grands tremblements de terre. Et en divers lieux, de pestes et de famines, il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. C'est-à-dire qu'on travaille déjà ce message dans Luc chapitre 21, à partir du verset 11, on essaie de nous étaler des signes du temps de la paix liés à la nature. Amen. Les hommes de science appellent ça des phénomènes naturels. Mais nous qui avons eu la grâce d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, nous comprenons que quand il y a tremblement de terre, dans divers lieux, c'est juste Dieu veut enseigner à ce peuple-là que bientôt là, c'est la fin de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, le mois dernier a été dominé par plusieurs catastrophes naturelles. Vous avez vu comment il y a eu des inondations aux États-Unis. Vous avez vu des inondations en France. Vous avez vu des tremblements de terre. C'est-à-dire, vous avez vu des tempêtes. Ils ont même nommé ces tempêtes-là, ce qui m'a étonné. Des tempêtes qui portent des noms. Alléluia. Katrina. Amen. Que quand Katrina, je ne sais pas si c'est une sœur, c'est Katrina qui a sauvé une pasteur. Ça veut dire la météo nous annonce, faites attention, il y a Katrina qui arrive. Mais il faut savoir, quand vous voyez chaque chose sur votre parcours, cherchez à comprendre pourquoi Dieu permet que je rencontre cette situation. Mais quand Katrina s'élève, c'est parce qu'en quelques lieux, les gens ne veulent pas écouter ce que nous sommes en train de donner aujourd'hui. Les gens ne veulent pas recevoir par la voie facile. L'homme veut écouter avec le fouet. L'homme veut craindre Dieu avec le fouet, c'est ainsi. Dieu étant le maître de tous les esprits, tu vois, Dieu peut ôter sa main. Dieu ne donne pas les ordres à Satan d'aller le toucher, mais non. Dieu retire juste sa main. Parce que certains interprètent que notre Dieu avait dit à Satan, va toucher.
Quand la Bible dit va toucher, en réalité, ce n'est pas la bonne traduction. C'est-à-dire, quand Dieu dit au diable de toucher une personne, c'est-à-dire, Dieu retire sa main. Et quand Dieu retire sa main, mon ami, tu es à la merci déjà du diable. Tu vois? Mais Dieu, à aucun jour, n'a dit au diable, va toucher, va frapper. Dieu n'est pas un être sensible de l'homme. Toi, tel que tu es là, tu ne peux pas dire à un bandit de prendre ton fils, ton matin, à le frapper. Même si tu avais volé, tu vas sentir le douleur d'être père. Les mamans disent, il y a un mot, on a un petit peu de temps. On s'en coupe, il y a un mot, on a un peu de temps, on a un peu de temps. Et maintenant, tu crois que Dieu va laisser le volant son fils comme ça? Non. Amen. Amen. C'est-à-dire que Dieu enlève seulement une portion de sa main et la personne se retrouve exposée. Amen. Donc, quand la tempête arrive dans divers endroits, c'est que Dieu, par rapport à ce qui se passe dans ces endroits-là, ça fait fuir la présence de Dieu. Et c'est la présence de Dieu qui protège mieux. Amen. Amen. Vous savez, chers amis, aux Antilles, quand il y a eu les grands tremblements de terre aux Antilles, les tremblements de terre n'ont pas eu peur du palais présidentiel. Amen. Ce qui m'a étonné, homme de Dieu. En Haïti, voilà. Les tremblements de terre en Haïti, il a cassé même le palais présidentiel, mon ami. Mais ce qui m'a étonné, il n'y a pas une maison nette où habitait une famille chrétienne. Chers amis, le tremblement de terre est arrivé dans le quartier, il a tout ravagé. La maison de la police, il a cassé. Il a cassé toutes les banques. La maison du président, il a tout cassé. Mais il est arrivé là où il y avait une maison, une famille pauvre. C'était des chrétiens. Ses enfants ont prié. Ils criaient à Dieu. Chers amis, la terre, c'est-à-dire le tremblement de terre, est passé outre, comme on dit. Alléluia. Il a cassé toutes les maisons voisines en Haïti. Vous pouvez vérifier, c'est sur Internet. Le tremblement de terre a cassé toutes les maisons voisines. Il n'a pas touché, il n'a pas osé toucher. La Bible dit, si l'Éternel les garde, celui qui garde, fais enfin pour la vie. Celui qui garde mieux ce nom de Dieu. Quand on voit le tremblement de terre, ça dit que Dieu veut enseigner. Comme les gens ne veulent pas écouter. Quand le son de Dieu vient, on insulte. Quand le son de Dieu vient, on les appuie, on leur ferme les portes. Mais alors, on va laisser la sœur Catherine en venir. Pourquoi vous pleurez quand Catherine arrive? Ce qui se passe dans tout ce contexte-là, quand vous voyez, vous allez voit que ça suscite la colère. Et des signes naturels que je venais de dire, il y en a tellement beaucoup. Lors des inondations avec, comment ça s'appelle encore, toujours en Asie. Les tsunamis. Alléluia. Quand le tsunami est arrivé, c'était pareil. Sur la plage, là, quand vous posez des questions, on va vous dire qu'il s'est passé des choses horribles. Mais vous pensez que dans ces contrées-là, il n'y a pas des églises? Les gens ne veulent pas écouter. Les gens ne veulent pas écouter, alors Dieu va utiliser toutes sortes de signes dans le but de sauver même une âme. Même une âme. Alléluia. Alors, le but de mon message, c'est quand tu vois tous ces signes, mon ami, tu dois chercher à te repentir, à revenir vers Dieu. Amen. Dans la Bible, à l'époque de Noé aussi, c'était comme ça. Dieu a envoyé Noé. Parle, enseigne, je ne vais pas écouter. Quoi, le pasteur, aujourd'hui, dans le day, quand tu te lèves avec ta Bible, à haut tsunami. Moi, j'étais dans un day, papa, j'ai pris ma Bible comme ça. J'ouvre ma Bible, il y a un gars qui se lève dans la salle. Yo, yo, pasteur, yo, sauf pour moi, le monde va prendre ça. Alléluia. Il a fait ça à croire et tous. Il y a eu un papa qui était dans la salle. C'était un ange. Il s'est levé maintenant contre le jeune homme. Il a dit, jeune homme, si tu oses encore, je vais te boxer. C'est alors que les gars s'est tué. Et on a pu enseigner. Ça veut dire que nous sommes arrivés à un moment où les gens ne veulent pas. Regardez comment nous sommes suivis. Les frères, c'est là qu'on enseigne sur Facebook, c'est un problème. Ah, bah, avec ici, Facebook est connu par pasteur. Mais mon ami, nous, ce qu'on fait, on veut sauver une multitude de personnes. Si ça ne t'intéresse pas, la sœur Catherine va venir vers toi. Alléluia.
Parce que Dieu, si tu t'enterres, il va utiliser des signes naturels. Alléluia. Alors, ce soir, j'aimerais entrer en profondeur sur des signes liés à l'être humain. Des signes du temps de la fin liés à l'homme, liés à la nature de l'homme ou à l'âme. Alléluia. Alors, c'est quoi d'abord, si j'essaie de définir des signes, c'est quoi? Les signes, ce sont des éléments qu'on identifie dans la vie d'un être humain qui transmet le message ou qui démontre, qui affiche son identité. Je reprends. Ce sont des éléments qu'on identifie dans la vie d'une personne qui transmet le message du temps de la fin. Oui. Les signes du temps de la fin liés à l'âme. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous allons le constater au travers de certains comportements. Exemple, la tuerie. Aujourd'hui, des gens tuent sans pitié. Il y a que cela 20 ans, on avait peur même de poignarder une personne. Il y a que cela quelques années, on avait cette pitié-là. C'est-à-dire que l'homme était sacré. Est-ce que vous me comprenez? Il y a quelques années, l'homme était sacré, c'est-à-dire que tuer, c'était un grand problème. Mais vous allez remarquer qu'au jour d'aujourd'hui, tuer, c'est devenu un sujet normal. Hein, on a tué quelqu'un. Les gens viennent d'ailleurs, vous allez voir même chez nous, au Congo, les lieux de paix, c'est là où il y a des fêtes. Hein? Vous voyez les signes du temps de la fête. C'est-à-dire, les lieux de paix, alors que la Bible dit, quand tu vas dans la maison de paix, c'est pour être instruit. Mais regardez au jour d'aujourd'hui, quand il y a des Congo, les gens devraient cotiser l'argent pour l'après-enterrement. C'est-à-dire qu'on cotise pour l'après-enterrement. Mais quand la personne était malade, on s'occupe plus de lui. Des signes comme ça ont pour but de nous enseigner, de nous avertir que bientôt là, il y a quelque chose qui arrive. Alléluia. Alors, chers amis, je vous amène dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5. 1 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 5. Dans ce chapitre, ici, Paul nous étale, noir sur blanc, une dizaine de signes liés à l'âme, liés à l'être humain, qui annoncent la fin des temps. Je prends ma lecture, je fais la lecture rapidement. La Bible dit 1 Timothée 3, verset 1 jusqu'au verset 5. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, suivez-moi très bien, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Ennemis des gens de bien. C'est tout ça. Au jour d'aujourd'hui, si tu es bien, c'est sur toi qu'on va te jeter. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Dites Amen avec moi. Il y a ici une série de signes de la fin du temps liés à l'être humain. Nous allons prendre aujourd'hui un seul signe, c'est de ça que nous allons parler. Un seul signe, c'est le premier signe. Dans verset 2, la Bible dit, car les hommes seront égoïstes. Amen. Donc mon sous-thème s'intitule l'égoïsme. L'égoïsme, suivez-moi très bien. Mon sous-thème de ce soir s'intitule l'égoïsme. Dis à ton voisin l'égoïsme. Dis-le avec amour, l'égoïsme. Dis-le avec force, l'égoïsme. L'égoïsme. Ok. Nous allons parler de l'égoïsme. L'égoïsme, par définition, c'est quoi? Attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. Alléluia. L'égoïsme veut dire attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts au mépris des intérêts des autres.
Quelques synonymes pour expliquer mieux le mot. L'égoïsme se traduit aussi par l'indifférence. Il y a des gens qui sont indifférents. On n'a jamais compris. Il est avec qui on ne sait pas. Il part où on ne sait pas. Quand l'autre pleure, il n'est pas là. Il n'a jamais dit du bien des autres. Lui, il a toujours dit non. Jamais il a dit oui. Vous voyez des gens comme ça? Ce sont des égoïstes. Quand les autres là se réunissent pour organiser quelque chose, lui, c'est lui le premier qui va vous dire qu'est-ce que va se faire aussi. Ça veut dire qu'il y a toujours des différents. Ça se traduit aussi par être insensible, sans cœur, individualiste, égocentrique, personnel. Et à ma frère, dans l'amour. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas utiliser les langages de vie privée dans l'église. Ça n'existe pas. Suivez-moi très bien. Il n'y a pas de vie privée dans l'église. Et en vie dans l'aïe. Parce que là, on a droit encore d'un côté. Par contre, la vie dans l'aïe, on a été égoïste. Dans l'église, nous sommes une famille. Quand tu es dans la joie, nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Quand tu es triste, nous sommes dans la tristesse. La Bible dit quoi dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Dans l'église primitive, ils persévéraient ensemble. Ça veut dire qu'ils étaient ensemble. La douleur de l'autre était la douleur du pasteur. La joie de l'autre était la joie du pasteur. Ça, c'est la raison même qui avait fait qu'Ananias puisse être tué par l'esprit. Parce qu'ils ont voulu amasser, ils ont voulu regarder d'abord leurs propres intérêts, pas les intérêts de l'Église. Vite, me fais la main. Ça n'existe pas. Donc, si tu étais là, même toi qui me suis, si dans l'Église, c'est un serviteur de Dieu, tu oses utiliser, employer les mots, les gens qui me fais la main, tu es encore dehors. La vie du pasteur doit être connue de tous. Amen. Vous devez connaître ma femme. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit que une jolie dame. Amen. Alléluia. Amen. J'ai une très belle femme. Ça doit être cool. Amen. Comment toi, enfant de Dieu, ta vie, tu nous caches dans bien l'église. C'est écrit où? Vie privée dans la Bible, c'est écrit où? Il y a des pasteurs aujourd'hui qui osent dire ça même dans leur prédication. Non, là, ils ont touché ma vie privée. On te l'amène là. Hein? Alors, dis-moi ça. On te l'amène là. Ou tu fermes la Bible, tu n'es pas pasteur. Ou tu es pasteur, on te l'amène là. Alléluia. Il y a des pasteurs aujourd'hui, même son portable, il ne peut pas donner à sa femme. Oh, avance, papa. Vite, il y a un portable là. Non. Au concours, t'as un portable là. Égoïste le pasteur. Amen. Oh, Facebook n'a là. Moi, si je n'ai pas encore dans le Facebook, c'est parce que tu as des macabres là-bas. Alléluia. Vous voyez comment ça se passe? Amen. Ça ne peut pas exister. Moi, mon portable, je peux te la donner, ma soeur. Alléluia. Moi, j'ai la peur. Amen. Mais papa, vous cahiez, vous cahiez, vous cahiez. Il a fait un poisson aux huiles au moins la photo de son âme dans la carte. Amen.
des photos de pornographie dans la dans la portable des pasteurs. Dieu vous donne votre son famille. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ça, ça s'appelle l'égoïsme. Maintenant, je reviens avec vous un peu en profondeur, je vais prendre quelques points. J'essaie de développer l'égoïsme dans quatre ou cinq dimensions. Première dimension, la dimension politique. Je ne parle pas de la politique que tu as fait, mais je parle de la politique dans la vie. Les premiers politiciens ont existé dans la vie. Celui que je vous présente aujourd'hui s'appelle Hérode. Dans Luc chapitre 1er, dans Luc chapitre 2, Matthieu chapitre 2, il y avait un politicien, un roi appelé Hérode. Dès lors qu'il a appris qu'il va naître un enfant, il va naître un nouveau roi, le roi de Dieu. Verset 1er jusqu'au 15e verset, vous allez voir avec le
Vous allez voir l'égoïsme sur le plan politique. Je vous amène encore, voilà. Dans la deuxième dimension, vous écrivez, deuxième dimension, l'égoïsme dans... Nous allons parler d'abord de l'égoïsme dans... Sur le plan professionnel. L'égoïsme sur le plan professionnel. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'égoïsme sur le plan professionnel. Au jour d'aujourd'hui, vous allez voir, ce sont des chrétiens qui empêchent d'autres chrétiens à avoir du travail. Alléluia. Ce sont des chrétiens qui empêchent d'autres chrétiens pour avoir du travail. Chers amis, j'aime beaucoup les musulmans. Les musulmans sont solidaires. Les musulmans sont solidaires, c'est-à-dire que quand il a du travail, il ne peut pas laisser un ami musulman à lui qui arrive là-bas, il va lui donner du travail. Mais avec les chrétiens, tu vois, un chrétien préfère qu'il reste le seul donateur à l'église. Alors que s'il prenait même deux seuls, leur donner du travail, ils seront à quatre, mais alignés à l'autre. Il fait ça pourquoi? Parce que les jours où le pasteur va les réprimander, s'il part, que derrière lui, on puisse leur prendre qu'on avait fermé l'église. Cela n'arrivera pas ici au nom de Jésus-Christ. L'égoïsme sur le plan professionnel. Le chrétien a du mal à pistonner son frère chrétien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, tu travailles à ton frère. Aide ton frère, mais sans papier, là, qui est à l'église, tu ne travailles pas. Donc, tu travailles. On l'a dit, tu deviens une personne qui va te demander chaque jour. Au soir, il y a une personne à bénir en scène, mais appelle-lui. Fais comme des Chinois. Apprends-lui à pécher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce sont les chrétiens aujourd'hui qui veulent s'enrichir sur le dos des autres chrétiens. Ils préfèrent faire souffrir ses frères dans la foi pour que lui achète une grande maison. Il préfère escroquer ses soeurs dans la foi pour devenir riche. Ça s'appelle l'égoïsme. Et Dieu est contre ces choses. Dieu est contre ces choses. Si tu le faisais, tu dois te repentir, même toi qui me suis depuis chez toi à la maison. Dieu est contre ces choses. Quand tu trouves un moyen d'être béni, amène ton frère. Dis-lui, mon ami, je ne veux pas seulement me limiter à te donner, mais deviens aussi une source pour les autres. Amen. 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 Ça, c'était l'égoïsme sur le plan professionnel. Toujours sur le plan professionnel. Un frère qui est en train de méditer comment déloger l'autre sur sa place de travail, en fait, et lui, il reste là. Et c'est mon amour, non, la cause. Comment peux-tu avoir cette heure? Ah, je dois faire un effort. Boulot, il y a tout ça là-bas. T'es bon, la France, t'es. Non, on soutient. La Bible dit les hommes seront égoïstes. C'est-à-dire qu'il veut tout amasser. Il veut tout amasser, donc que tout revienne. Lui, il est là. Il est. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas égoïste. Dis ça plus fort. Dis ça encore plus fort. Sur le plan amical dans les amitiés, l'égoïsme sur le plan amical dans les amitiés. Troisième. Ça veut dire, premier, je parlais sur le plan politique. Deuxième, sur le plan professionnel. Et troisièmement, sur le plan amical. Alléluia. Deux amis au jour d'aujourd'hui qui marchent ensemble, mais dès que vous tournez les deux, l'autre est en train de torpiller l'autre. L'autre trouve un bon garçon qui va le marier, aïe. Et nous, nous devons avec ça. Ou bien si les garçons, conseillent, quand tu veux épouser une fille, ne cherche pas à les renseigner. Les services de renseignement que nous avons dans nos églises, là, ne créent pas de problème.
tu peux consulter Amen. Attends pour que là, on a cette information sur ta bouche en arabe. Alléluia. Si tu veux mettre l'oreille, le nettoyer, si tu veux mettre le nettoyer, va directement à la source. Il ne faut pas le consulter avec les services de renseignement. Parce que quand tu vas, dès que tu dis que non, il n'y a pas la même. Donc nous me talentons. Elle vient d'arriver après la l'église. Mais comment toi tu ne connais pas la personne? Elle vient d'arriver après à l'église. Ça, c'est les services de renseignement. Et quand tu remarques ton analyse, c'est des vrais potes, des vrais amis. C'est lui qui est en train de tuer sa copine. Mais ce garçon-là, comment il a su cette histoire? Parce qu'elle, elle t'avait confié toi. Toi, tu me dis qu'on le va dire, mais comment il a su ça? Tout ça, pourquoi? Parce que dans son cœur, il veut que le mariage là lui revienne. C'est-à-dire, il a aussi envié le gars, il a aussi aimé la femme, mais c'est lui, non, la complication, sa volonté. Après, tu vas appeler ça, c'est la volonté de Dieu. C'est toi qui appelles la volonté de Dieu, mais ça n'ira pas loin. Tu peux faire des grandes fêtes. Mais si tu avais pris quelque chose qui est à autrui, un jour, tu vas confesser. Dieu est juste. Dieu est juste. Et bien mal acquis, le prophète Samuel. Vous pouvez faire 15 ans, 16 années, tu vas comprendre que tu avais volé l'autre. Amen. Alléluia. Et tout ça, c'est à cause de l'égoïsme. On a donné à l'autre, c'est ton vrai ami, mais pourquoi tu as mal? On doit retourner à l'église primitive. C'est-à-dire que quand Pasteur Guy est béni, je sais déjà que non, lui, là, c'est une source de bénédiction. Moi, quand je fais ma prière de clôture chaque fois, je dis Seigneur, bénis tous les frères et sœurs qui prient avec moi. Bénis mes amis. Avec au travers de mes amis que je trouve des passages qui peuvent m'amener dans la grandeur. Moi, je prie comme ça. Moi, je n'ai pas peur de dire que Dieu te bénisse plus que moi. Je n'ai pas peur pour la vie. Tu crois que Joseph est arrivé là-bas par magie? Il y a quelqu'un qui a parlé de lui. Et c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'était sur le plan amical. Il y a des exemples, il y en a tellement beaucoup. Je veux un peu plus vite pour finir. Nous allons prendre maintenant l'égoïsme sur le plan familial, c'est-à-dire au sein de la famille. L'égoïsme dans la famille. Les enfants, suivez-moi ici. Je viens même vers vous. L'esprit de partage dans nos familles. Aujourd'hui, tu vas voir, quand tu es parent, tu as 5 enfants. Tu remarques qu'il y a un enfant qui veut toujours tout prendre. Ça, c'est égoïste. Amen. Regardez-moi les enfants. Maman a même les kinés qui les surprise. Hein? Qui les surprise, dès que ça entre là-bas, elle prend le partage. Voilà. C'est moi qui gère. Ça, ça s'appelle égoïsme. Quand l'autre papa a acheté quelque chose pour l'autre, elle n'est pas contente. Et vous remarquez ça dans votre enfant, vous devez faire un effort pour le dire. Tu dois avoir l'esprit de partage. Amen. Moi, je fais exprès. Je sais que ma fille, là, elle aime beaucoup et qu'il y a surprise. J'achète, je lui donne, je ne dis pas partager avec tes chers. Toi, tu vas partager avec tes chers. Pourquoi? Parce que je sais de l'enseigner, de ce que je partage. Amen. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans nos familles, on a un problème. Ils ont grandi comme ça. Yaya avait resté le seul homme riche de la famille. Ça veut dire, mon père, il faut venir. Il faut venir, ma carte, il faut venir. Son humanité, ils sont tous au courant. Pourquoi vous ne m'aimez pas? Hein? Ça veut dire que. Un homme qui est béni au sein d'une famille, il doit être une source de bénédiction pour ses frères. Quand Joseph est devenu prince, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni sa famille. Il a pris sa famille qui était dans la pauvreté, il les a mis dans les conditions idéales. Il faut maintenant sentir que vous allez être ministre. N'est-ce pas? Il faut que les gens disent que l'autre a la vie la mission à la porte. Mais toi, tu es le seul parisien. Et tu trouves ça normal. Voilà, qui te voilà, qui m'a lancé, qui vient à ma voix, égoïste. Est-ce que tu peux appeler les autres?
J'ai toujours dit, quand tu es béni dans le vent normal, tu vas bénir tes frères. Mais quand tu es béni dans le monde, voie occulte, tu vas faire souffrir ta femme. Une vraie bénédiction, tu ne vas pas remarquer dans la personne, dans son entourage. Amen. La Bible dit que Salomon était béni. Son entourage, même ses travailleurs-là, étaient habillés en des habits de grande valeur. Toi, tu es en Europe. Est-ce qu'on peut le sentir avec tes frères? Égoïste. La Bible dit que ce sont des signes du temps de la fin. Amen. Amen. Même si la vie d'avanté, mais tu vas leur prouver que tu es leur frère. Amen. Tu vas leur prouver de l'amour parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Toujours dans la famille. Maintenant, je m'en vais me faire le couple. Là où ça chauffe. Alléluia. L'homme veut tout avoir en cité. Bible le dit, femme, soyez soumise. Moi, c'est pas assez. Ça veut dire d'un petit moment à un moment. L'homme, c'est la tête des égoïstes. La Bible dit, parce que vous avez hérité des mauvaises choses, des mauvaises choses de vos parents. C'est pourquoi ça vous crée des problèmes. Je disais ce matin que le mariage, nous observons le mariage selon la vie, pas selon nos coutumes, d'où nous venons. Si tu es chrétien, tu essaies de tourner ton mariage à la manière de ton coutume, tu ne vivras pas les délices du mariage. Parce que le coutume va te dire que non, papa, moi ça force à la vie. Moi, ce qu'on a fait, c'est doublé la vie. La femme ne peut pas avoir ton salaire. Il y a des femmes ici qui ne connaissent même pas le fils de père de leur mari. Moi ça il me gêne. Qui t'a dit que la femme ne peut pas gêner? Ce que nous voyons en France ici, il y a des ministres qui sont femmes aujourd'hui. Ils font leur travail. Mais si c'était chez toi dans ton village là, personne n'aura pas de ministre femme. Le problème d'argent. L'homme a un compte au cœur que la femme, c'est-à-dire. Il y a des gens comme ça. Moi, je me demande, tu vois quelqu'un est derrière avec les cheveux blancs, il te dit que non, ils sont dans l'expérience en vie. On connaît les femmes, il ne faut pas lui dire que non, tu as mis les mots, mon frère. Toi, tu crois que si tu as bien, si tu as bien éduqué ta femme, non. Ça s'appelle de l'égoïsme. Et quand tu regardes des gens comme ça, ils ne sont pas à l'aise avec leur femme. Ils finissent toujours par aller chercher une deuxième vie. Vu que se croyaient sages. La femme n'était pas entrée dans les choses. Hein? J'ai parlé de téléphone tout à l'heure. Maintenant, c'est l'argent. La femme n'était pas, ne laisse pas la carte de à ta femme. Mon ami, si tu veux réussir dans la vie de couple, je dois ta femme. Deviens une seule personne avec ta femme. Vous allez vivre longtemps. Sois transparent. Même quand tu vas dépenser de l'argent, dis-lui parce qu'il t'a fait. Moi, quand j'ai l'argent, quand je donne à ma femme, va envoyer chez ta belle famille. C'est ma femme qui fait tous les transferts. Et Dieu m'a fait grâce, je suis tombé sur une très bonne femme. Alors 15 jours, elle a discuté pour aller nous tirer, mais pour nous tirer. Récemment, elle me disait que non, elle est en train de s'imaginer faire quelque chose à ma mère. J'étais content au fond de moi. Elle va plus chérie. Amen. Ça veut dire sans demander bien aux autres. Faut la sainte à maman, oh, c'est le mot, oui. Mon frère, non, c'est lui qui trouve une bonne femme. Ah, c'est pas grave pour le Seigneur. Les couples ne sont pas heureux, pourquoi? Parce que l'un ou l'autre est victime de l'égoïsme. L'homme veut être l'unique sapin dans la maison. Quand papa sort au service, elle vient t'aider. Achète maintenant pour ta femme à la case à vous. Oh, égoïste. Mais, on sort déjà pour pas mon aide, mon frère. Oh là là. Ça s'appelle l'égoïsme. Comment toi tu viens toujours à l'église, tu veux bien saper. Mais quand on regarde ta femme, mais je ne veux pas commenter là-dessus. Ils en ont marre.
Moi, j'ai honte de vous, des hommes comme ça. T'es bien habillé, bataille, moi, sinon, bizarre. Parce que t'as manzé à côté, à ça, t'as soupi, t'as connu ta salope, et tu viens, tu te dis que non. Non, tu es faux type, comme on dit. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Au lieu que nous n'allons pas, au lieu de faire.
Mais bon, il faut payer de l'argent en fait de la musculation. Non, ça c'est lui qui a dit quand même. C'est lui qui a répété un nombre pour 1, 2, 3, 4. Au bout d'un mois, il va marcher comme ça. C'est un comptable. C'est facile de s'en faire plus. Est-ce que ça passe? Dans nos églises. L'exemple qui m'est venu pour parler de l'église, c'est, je vais commencer d'abord avec les serviteurs de Dieu. Merci Saint-Esprit. Je n'avais pas cet exemple, ça me vient directement à la tête. Nous allons voir avec Géasi dans la Bible. Géasi était un serviteur, du prophète Élisée plutôt. Élisée a prié pour le roi syrien. Sans pour autant demander quelque chose. Sachant qu'auprès de ce roi-là, ils auraient beaucoup de bien. Mais quand l'homme de Dieu n'avait pas senti le besoin de prendre de l'argent de ce monsieur-là, quand le monsieur est parti, Géasi s'est tourné après à la nuit. Dès nos autres. Pourquoi? Parce qu'il voulait avancer. Tu vois? Il voulait prendre. Il voulait que ce soit, ça dit que cet argent ne pouvait pas passer, le pasteur était distrait, chers amis. Ça s'appelle l'égoïsme. Nous avons encore dans la Bible, toujours avec Esther, à Esther chapitre 3, à partir du chapitre 3, quand vous lisez l'histoire de Aman, Aman avec Mardoché, vous connaissez l'histoire, non? Lui, il était déjà au point du roi. Il était déjà bien positionné. Mais le jour où le roi a eu à cœur de faire de bien à quelqu'un d'autre, vous témoignez bien. Les grands problèmes que nous avons dans nos églises, ce n'est pas même le pasteur. C'est entre nous et l'évangile. Il suffit que le pasteur, en vérité, que l'on entend dans la matière, à comment tout tel ou tel dans l'église, la guerre commence. À peine arrivé là, nous, on a commencé cette église avec lui. On a commencé à vivre dans la souffrance, dans la maison de maman telle là-bas, à Créteil. Il y avait encore que nous trois là. Mais comment il peut avoir ce cœur-là que nous tombons la frère, voilà pourquoi. On connaît ce frère-là, les égoïstes. C'est pourquoi dans nos églises, il y a conflit de génération. Souvent, les anciens dans les églises posent le problème à ce qui vient d'arriver. Dans toutes les églises, sans exception, Dieu envoie des serviteurs. Entre parenthèses, c'est Dieu qui a dit dans la Bible que le champ est tellement grand, le travail est tellement grand. Priez pour qu'il envoie des serviteurs. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui enseignent que Bassan Amza aussi va coquille. Tout simplement parce qu'ils sont égoïstes. Ils ne veulent pas que les autres puissent prendre le relais. Il y en a qui ont échoué, ils veulent détruire ceux qui sont restés. Ça s'appelle l'égoïsme. Si toi tu es tombé dans la félicité, ce n'est pas un problème. Mais il ne faut pas chercher à salir tous les autres. Il y a un peu comme le bâton. Il y a un peu comme le bâton. Il y a un peu comme c'est écrit où? Vous n'êtes pas nos esclaves. Alléluia. Dans nos églises actuellement, tu vas voir même dans le domaine de message. Si la prophétie sort de la bouche de la certaine, là c'est Dieu qui a parlé. Voilà, encore les attaques les endamés. Mais si ça sort de la bouche du frère tel, prenez vos endamés. Dieu est souverain. Amen. Ne pense pas parce que toi tu es une autre personne ou tu es la sœur, Dieu ne pourra pas le faire. Dieu a utilisé même des animaux dans la Bible. Ils viendront avec des Bibles. Non, ça va pas utiliser notre ami. Frère, il est souverain. Il n'est pas ton ami même. Toi qui te crois être sœur, il n'est pas ton ami. Amen.
volonté dans les choses de Dieu, le vœu se réunisse. Il faut qu'on aime ton casseur de Dieu. Il faut qu'on fasse tout pour étouffer les petits. Aujourd'hui, il y en a même qui disent l'église est comme éveillée. C'est vous qui lisez l'église est comme éveillée ou c'est la Bible. Dieu dit que le sang est énorme. Le sang est énorme. Mais vous sortez pour prêcher que non, qu'il y a trop de pasteurs. Vous avez compté, il y en a trop. Il y a trop de pasteurs. Est-ce que les gens sont convertis? Non. Chaque homme de Dieu a une option bien spécifique. Dieu lui a donné l'option pour impacter parfois le 94. Mais Dieu peut utiliser David pour impacter le 93. On s'est complète. Mais là où tu es, soutiens l'homme. N'aie pas ce mauvais cœur parce que notre ami met son église à côté. Des pasteurs qui se disent pas bonjour, mes amis. Tout simplement parce que notre ami s'est installé à côté de lui. Ils se disent pas bonjour. Il y en a même les jours où tu lui dis que moi aussi je suis pasteur à l'île. Pourtant, si tu me dis que tu es pasteur, un docteur le plan. Oh, là, qui t'a consacré? Toi, tu t'as consacré. Qui t'a consacré? Toi qui t'as consacré? Toi qui poses la question là. L'égoïsme, il va le rester. Donc, pas unique pasteur, pas unique pasteur. Ce sont eux qui appellent la jeune génération des rebelles. Mais tout le monde va vous mettre en ligne. Rentrons la source. Vous qui appelez les jeunes des rebelles, vous vous êtes partis comment? La jeune n'a pas rebelle, lui on vous mettre en ligne. Amen, ton père, c'est toi qui viens témoigner que tu es bien parti. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça a toujours été difficile de départ. Souvent, les gens sont convaincus après. Quand il y a des signes, même parfois ton père, c'est toi là. Ah non, oui, assurément, c'était un homme de Dieu. Arrêtez de critiquer. Il y a aujourd'hui des critiques parmi nous. Les églises à la télé, on a honte. Pasteur avec pasteur. Évangéliste avec pasteur. C'est quelqu'un qui prépare toute une prédication pour étaler le mal des autres serviteurs de Dieu. Donc toi tu veux qu'on te considère toi le seul vrai homme de Dieu. Ils n'ont même pas le temps pour prier pour les autres. Amen. Je me suis répandu, j'ai dit à ma femme, plus jamais je vais écouter tous ces pasteurs qui parlent de mal des autres pasteurs. Amen. Ça bloque l'homme de Dieu. Amen. Même si tu avec des preuves à la bouche, n'écoute-moi. C'est le diable qui s'est infiltré. Il est tombé, mais va prier pour lui. T'en fais un enseignement, tout un thème. C'est grave. Pourquoi? Parce que lui veut rester le seul, la seule prophétesse en France. Au final, nous parlons, soyons nos désert, abéliers, égoïstes. Même l'équipe de France, là, ils sont toujours tous, c'est 11 joueurs. 11 joueurs. Tu ne peux pas être Lionel Messi. Toi-même, tu ne peux pas tenir face à la réelle de ma vie. Parce que tu auras toujours besoin de quelqu'un d'autre. Mais regardez l'égoïsme, le prophète, elle est en train de tuer l'église. Le pasteur est assez résigné. Et quand tu vas le voir, apparemment, la chita est là qui a bouche à la bébé, n'a pas ôté. Mais à peine le conseiller, pardon. Amen. Voilà, chers amis. Je parlais de l'égoïsme. Le but de ce message, c'est quoi? Parce que derrière l'égoïsme, il y a des conséquences. L'égoïsme a des conséquences terribles. Premièrement, quand tu es égoïste, tu dois savoir que tu te bloques toi-même. Un égoïste n'a pas d'esprit de partage. Je veux m'entraîner. Quand tu ne partages pas, Dieu non plus ne va te donner. La Bible dit qu'il donne la semence au haut. Réponds avec moi. Il donne la semence au haut. Au Seigneur. Le Seigneur, c'est qui? C'est celui qui donne. C'est celui qui sème plutôt. Est-ce que tu m'entends? Si tu ne sais pas s'aimer dans la vie des gens, on ne sème pas seulement l'argent. Tu peux s'aimer ton temps. Tu peux s'aimer ta disponibilité. Je suis là pour répondre afin que les choses avancent. Tu vois? Si tu deviens un Seigneur, ça veut dire que tu peux s'aimer la joie. Tu peux s'aimer la foi. C'est alors que Dieu va prendre une semence qui va te donner. Si tu es égoïste, ça veut dire que tu regardes tes intérêts. D'abord, regarde, Dieu ne va rien te donner, même si tu gèles.
C'est pourquoi il y a des hommes qui prient comme ça, qui sont les pauvres. L'autre pauvreté, elle vient d'où elle sort de faire ses mains et que personne ne veut pas, non pas de suite de partage. Quand tu vois ton église, quand on demande à l'église, tu dis que non, si je donne, je vais à l'échelle des pasteurs, c'est bien. La Bible dit quoi? Il donne à ses mains au. Quand tu as le fils de s'aimer, n'attends rien de Dieu. Il va te donner le souffle. Tu vas respirer, ça c'est pour tout le monde, même les volets, même les fournis. Mais en ce qui concerne certaines choses, on doit dire. Parce que tu ne veux pas être un Seigneur. À cause de l'égoïsme, beaucoup de gens sont bloqués. Tu te bloques toi-même. En refusant d'aider tes soeurs, de ta famille, tu te bloques. En refusant de faire du bien à ta femme, tu te bloques. En refusant d'accepter l'élévation de ton ami, la bénédiction de ton ami, tu te bloques. L'égoïsme a des conséquences terribles. Et dernière conséquence, c'est que tu risques même de rater l'enlèvement. Parce que c'est le signe du temps bientôt, le fils de l'homme arrive. Les égoïstes n'hériteront pas le royaume des cieux. Même si tu avais la Bible, tu es égoïste. Mon ami, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Alors, je suis arrivé à la fin de mon message. Je vais vous lire un verset pour clôturer mon message. Matthieu 24, verset 33, la Bible dit, « De même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Amen. Alléluia. C'est-à-dire que le signe que je vous ai parlé là, quand vous verrez les gens autour de vous devenir égoïstes, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Quand vous verrez deux personnes se diviser à cause de l'argent, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Quand vous verrez le mari haïr et chercher à écraser sa femme, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Bientôt, Jésus-Christ sera bien église. Vous qui me suivez, arrêtez d'être égoïste. J'avais dit au début, l'égoïsme veut dire, par définition, nous avons dit, pour clôturer, est-ce que vous êtes là? Nous avons fini déjà. Nous aurons le temps de parler de tous ces signes. Il y en a tellement beaucoup. Hein. Je veux parler de beaucoup, de l'amour, de l'argent. Je vais essayer d'aller en profondeur pour vous expliquer comment ça opère aujourd'hui. Nous avons dit que l'égoïsme, c'est l'attachement excessif porté à soi-même, à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. Quand vous voyez quelqu'un qui cherche que ses intérêts, c'est un égoïste. Même si c'est un pasteur, quand il ne veut pas s'associer aux autres, c'est un égoïste. La Bible dit ça, attachement excessif à soi-même, au mépris des intérêts des autres. Tu sais que si tu t'associes aux autres, au Kaboulalokou, il y a moralité, tu es égoïste. Alors, le message c'est quoi? Nous devons nous répandre. Amen. Les enfants, apprenez l'esprit de partage. L'enfant qui ne partage pas, qui n'est pas partagé, c'est à lui que vous allez confier le droit de partager la nourriture à la maison. C'est le seul moyen de l'éduquer, de l'éduquer le fait de partager. Papa, maman, vous avez compris? Amen. Tu détectes et il y a un cas au karaté. Et là, tu m'as à partager les bonbons. Achète un sachet de bonbons, donne-lui. Dis que tu prends, tu partages deux bonbons. Amen. Chaque jour, fais ça, tu verras qu'elle va apprendre à partager. Parce que cet esprit-là, ça peut faire manquer quelqu'un dans les fonds. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais appeler le pasteur. Si vous vous êtes senti concerné par ce message, l'égoïsme, vous voyez que votre vie actuellement, vous êtes devenu égoïste. Vous cherchez à faire sauter les autres au niveau du travail pour que vous preniez leur place. Ce n'est pas ce que nous disons, on a arraché le salaire. Non, ça ne s'arrache pas comme ça. Tu dois créer une place au sein de la société à côté de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas dire que j'arrache, c'est-à-dire qu'il y a un problème à faire. Non, ça, ce n'est pas de Dieu. Mais je crée un besoin. Je crée une place pour que moi je vienne aussi travailler à côté de l'homme. Alors je vais appeler l'homme de Dieu qui va nous conduire
dans la prière de la repentance. Amen. Je sais que quelque part tu as été victime de ces choses. Tu ne voulais pas partager. Tu as mal au cœur, au caractère. Au jour d'aujourd'hui, tu dois te repentir, dire au Saint-Esprit qu'il t'aide à devenir un vrai enfant de Dieu pour prendre soin des autres. Que mon Dieu vous bénisse. J'accorde la parole à l'homme de Dieu. Alléluia.